Salut à tous, c'est Docteur Drapeau, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un gameplay commenté en domination, attention non pas sur Call of, mais bien sur Assassin's Creed 3 que j'ai reçu à Noël, il est extrêmement bien léché au niveau du multijoueur qui est hyper prenant avec l'apparition de nouveaux modes à objectifs tels que la domination qu'on va aborder aujourd'hui. Donc je vais vous montrer tout d'abord rapidement les différents modes de jeu à objectifs. Alors là on va dans les différents modes de jeu, voilà, il y a chasse à l'homme, assaut de relique et domination qu'on va aborder aujourd'hui. Alors je vais rapidement lancer une partie pour vous montrer les choses à ne pas faire. Voilà, ça va se lancer tout de suite. Sans plus attendre, c'est parti avec ce qu'il ne faut pas faire. Donc cette séquence vient d'une de mes toutes premières parties. Je ne savais pas encore trop comment jouer. Donc là, je rush rapidement le point B qui n'est pas encore attribué à aucune équipe. Ce qui fait que le premier joueur dessus le prend. L'ennemi le prend, je l'ai repéré. Je crois pouvoir l'humilier comme ça direct, mais non. Il est dans sa zone et un assaut frontal pour une humiliation ne fonctionnera pas. Je gagne donc très peu de points, il en gagne aussi très peu, mais cependant je perds énormément de temps et je ne prends pas la position. Voici une deuxième chose à ne pas faire. Je vais me promener rapidement, rentrer dans la zone ennemie. Ici j'entends les murmures de l'ennemi et je cours n'importe comment. Ça il faut totalement éviter dans ce jeu Assassin's Creed 3 car vous êtes hyper repérable dans ces cas-là. Je vais rapidement heureusement sortir de la zone adverse pour aller attaquer le point B tout simplement. Donc là c'est mauvais aussi, ne pas se promener sur les toits, tout ça c'était mes débuts. Je vais rapidement vous mettre des séquences beaucoup plus intéressantes en vous parlant tout d'abord des principes du jeu, donc de la domination sur Assassin's Creed 3. Vous allez voir que là je vais quand même réussir à prendre la position grâce à ma capacité leurre que je vais déclencher immédiatement et à ma capacité déguisement que j'ai déclenché à l'instant et à ma capacité leurre que vous allez voir que je vais déclencher grâce à R2. Je vais donc tromper cet ennemi là qui a le skin indien. Vous allez voir que mon leurre va partir, il va se précipiter dessus. Pendant ce temps, je suis toujours à l'abri, caché dans mon groupe, j'ai perdu mon déguisement, mais ça suffit pour prendre le point B et ça me permet de le tuer puisque je me retrouve dans ma zone. Donc voilà, je vous ai mis quelques séquences sympathiques de capture, histoire de pouvoir vous parler tranquillement du principe de la domination. Donc le principe est le même que sur Call of, il y a 3 points, 10 minutes de jeu et l'équipe qui tient le plus longtemps les 2 points l'emporte. En plus de ça, il y a des statuts de poursuivant et de cible, donc quand l'équipe adverse possède un point, toute une zone de la carte autour de ce point est considérée comme leur territoire et vous y êtes une cible. Vos ennemis ont donc une icône qui s'illumine lorsque vous entrez dans leur champ de vision et entendent des battements de cœur lorsqu'ils sont à proximité de vous. Quant à vous, en tant que cible, vous entendrez à ce moment-là des murmures, signalant la proximité de votre ennemi. Vous ne pouvez éliminer un ennemi sur son territoire. En tant que cible, vous pouvez uniquement l'humilier. Donc c'est-à-dire le mettre hors service pendant quelques secondes. Et une humiliation ne peut pas être faite de manière trop frontale, sinon elle est déjouée et vous mourrez, comme vous avez pu le voir dans le premier exemple. Quand vous possédez les 3 positions, vous recevez un bonus de domination de 50 points toutes les 5 secondes. J'en reparlerai tout à l'heure puisque j'ai un petit exemple à vous montrer. Autant vous dire que si vous n'êtes pas patient et tactique par nature, ce mode ne vous plaira pas. Et je vous conseillerais dans ce cas l'assaut de relique qui est un peu plus frontal, direct, avec plus d'action et de course-poursuite. Mais si vous vous prêtez au jeu de la domination, vous allez vivre des moments de tension de dingue, comme vous pouvez le voir sur ces exemples de séquences. Donc voilà, je peux humilier mon adversaire, puisque j'ai réussi à prendre le point à l'aide de mon coéquipier, après qu'on ait tous les deux humiliés et que je l'ai leurré. Je vais rapidement vous commenter les petites séquences qui restent, avant de passer aux 3 façons de jouer que j'ai illustrées par des petites vidéos. Ça sera assez sympa, vous allez voir. Donc là, un de mes alliés est en train de capturer la position de manière peu furtive, donc c'est une aubaine pour moi, il y a 2 ennemis qui lui courent après, je vais tranquillement aller m'installer dans un groupe tout en gardant un œil sur eux. Vous pouvez voir qu'il court sur les toits, qu'il essaye d'éviter de se faire buter en fait. Il attire toute l'attention sur lui, ça c'est cool, ce qui fait que tranquillement la capture se fait, je tente de l'aider en jetant mes couteaux de lancer et j'élimine un premier ennemi. Vu qu'on a réussi à capturer la zone, je localise le deuxième, je le bloque avec L1 et je vais tranquillement l'éliminer. Voilà, ça me rapporte des points, maximum de points étant donné que j'ai été furtif. On est en train de prendre la position, on est plusieurs sur la zone. Attention, je vais me faire attaquer, voilà. Je me fais humilier puisque la zone est à nous, je ne suis pas mort. Mes alliés le finissent et je lui mets le coup de grâce. On a pris la position. Voilà, c'est fini pour cette séquence. Une dernière petite séquence avant d'aborder les différentes façons de jouer en domination qui va vous montrer tout l'intérêt de la capacité leurre lorsque vous voulez attaquer un point et l'importance d'utiliser le décor comme je suis en train de le faire là puisque j'ai repéré mon ennemi, je me cache pour l'instant, il n'est pas à proximité, il veut faire le tour, je passe de l'autre côté.
Là, je pense qu'il m'a repéré, il vient vers moi, donc c'est le moment de déclencher mon leurre. C'est fait, il l'attaque, le con. Ce qui fait que je le prends en cible, je lui mets une petite humiliation, on a pris la position, ça me permet de le tuer et de me faire le double de points, donc élimination plus humiliation plus capture. Donc là, vous voyez que ça commence à rapporter sévère, vous voyez que les bonus s'enchaînent, ça s'arrête même plus. Donc là, j'ai fait pas mal de points dans l'histoire, on va voir, je crois qu'il y a un total à la fin, 800 points, c'est pas mal. Je me dirige tout de suite vers une de nos positions qui est en train d'être attaquée. Je repère mon ennemi, j'entends les bruits de cœur, c'est lui, il n'a pas de capacité déguisement. Je vais donc le buter tranquillement, approche incognito, je me fais à nouveau des points. Je reste sur la zone qui est encore la nôtre, mais qui n'a pas, qui, comme il a essayé de la prendre, vous voyez que le point A, il y a du rouge, donc je la sécurise entièrement. Voilà. Et là, on a les 3 points, donc je vous parlais tout à l'heure des petits bonus de domination. On a les 3 points, vous voyez que je reçois 50 points de bonus toutes les 5 secondes à peu près, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, donc on va passer tout de suite aux différentes façons de jouer. Donc il y en a 3, défenseur de points, objectif player et défenseur de zone, donc que je vais aborder dans cet ordre. Donc défenseur de points, ça implique de rester soit sur votre position, soit vraiment à proximité de la position, comme je suis en train de le faire là. Alors moi, je conseille vraiment de jouer en tant que défenseur de points avec un allié, souvent sur le point B parce que c'est le point le plus attaqué. Et avec un allié, pourquoi? Parce que lorsque vous êtes humilié, il peut vous défendre et assassiner l'ennemi. Et inversement, lorsqu'il est humilié, vous pouvez le défendre, voilà, et même le réanimer vos alliés. Donc là, par exemple, je tue un ennemi, je me précipite pour en tuer un autre, mais je me prends des couteaux de lancer, je vais me faire humilier, mais mon allié va me défendre. Donc, vous voyez là, pendant que je suis humilié, je localise un ennemi. Là, il y a un petit coup de lag, malheureusement. Je localise un ennemi, je lance un piège au niveau du sol. S'il se décale sur la gauche, je me décale donc sur la droite pour aller me le farcir. Voilà, c'est fait. Donc là, je me fais surprendre par un citoyen qui avait le skin ennemi qui était tout près de moi. Je pensais qu'il allait me faire humilier, donc j'ai mis carré, malheureusement. Un autre ennemi se prend ma bombe. Ses capacités sont donc bloquées pendant un court instant. Un de mes coéquipiers s'en occupe. Je réanime donc le premier qui s'était fait humilier. Là, un ennemi très peu furtif nous saute dessus. On va réussir à l'humilier en travaillant en équipe, lui ainsi que son coéquipier. Donc voilà, là je reste verrouillé sur cet ennemi-là. Je prends un peu de recul histoire de pouvoir l'humilier à nouveau s'il m'attaque de manière frontale, chose qu'il va faire. Donc je l'humilie à nouveau et je vais utiliser ma capacité aveuglante histoire de récupérer des points de bonus d'exécution et d'enchaînement. Donc vous voyez que pour jouer défenseur de points, là je me fais humilier, petite parenthèse, mon coéquipier me défend de nouveau. Donc vous voyez que pour jouer défenseur de points, il est très important d'avoir des coéquipiers avec soi, de jouer en équipe. Et ça peut permettre de rapporter gros étant donné que vous faites des grosses séries souvent de défense et d'attaque quand vous prenez le point. Donc voilà, la séquence va se terminer par un petit assassinat de ma part et on va tout de suite passer aux stratégies d'objectif player. Je me suis servi d'un obstacle pour déclencher mon déguisement. Je vais directement rejoindre un groupe dans la zone à capturer. Donc la capture commence à se faire. Je repère autour de moi un éventuel ennemi en me servant de l'angle de ma caméra. Mon déguisement touche à sa fin, je déclenche donc un leurre qui fonctionne, ça me permet d'humilier mon adversaire. La capture est maintenant faite, je vais pouvoir donc récupérer des points d'assassinat assez aisément avec l'ennemi humilié et même un double assassinat grâce à un réflexe dont je ne suis pas mécontent que vous voyez là à l'instant. Donc voilà, pour ce qui est de l'objectif player, je vous avais déjà mis pas mal de séquences tout à l'heure en vous parlant des principes, donc on va tout de suite passer au défenseur de zone. Que j'ai fait là directement après avoir capturé dans cette partie. Donc vous voyez que je regarde au loin, je me mets au niveau de la frontière, j'analyse, voilà, j'ai trouvé mon ennemi, je fais semblant d'être un villageois normal et je me le farcis. Donc on va voir d'autres séquences de défenseurs de zone, donc qui consistent à squatter à la frontière, repérer votre ennemi, ce que je suis en train de faire là par exemple, la frontière est devant moi, je suis dans un groupe, j'ai repéré mon ennemi, j'entends les battements de cœur. Je le laisse passer histoire de me retrouver dans son dos et de laisser la jauge au-dessus de sa tête, le petit carré, vous allez voir, se remplir, ce qui nous permet d'obtenir un assassinat incognito. Donc voilà, là je me fais plaisir, je me fais des points. J'ai encore un petit exemple à vous montrer et on va pouvoir passer au gameplay. C'est parti pour une dernière séquence à la frontière, j'escorte mon allié qui court, qui rush comme un fou. Je repère un slayer adverse, je défends mon allié avec mes couteaux de lancer. Donc je garde le slayer verrouillé en espérant qu'il se décide à rusher ma base.
Je vais donc me cacher derrière un obstacle tranquillement pour ne pas éveiller ses soupçons. Et je vais le contre-slayer, vous allez voir. Donc là, je défends à la frontière. Il fait de même. Je me sers de ma caméra pour rester hors champ, mais garder un œil sur lui et donc conserver mon verrouillage. Je vais attendre patiemment qu'il s'épuise et qu'il se décide à attaquer et tranquillement le prendre à revers. Donc là, vous avez encore un bon exemple de défense de zone. On peut maintenant passer au gameplay commenté. Il s'agit en fait des trois dernières minutes d'une de mes parties. Donc un petit mot sur ma classe. Là, je débutais dans le jeu, j'étais à peu près niveau 15, ce qui explique que j'ai pas accès à toutes les capacités. J'arrive quand même à m'en sortir grâce à une combinaison de capacités qui marche pas mal avec déguisement et leurre, mais qui suggère d'essayer de rester assez incognito pendant la première moitié de la capture, disons le temps que votre déguisement s'estompe. Je me sers également des couteaux de lancer qui ralentissent l'ennemi à distance, donc dans des moments critiques ça peut vous aider à gagner les quelques secondes qui manquent pour prendre la capture. Et avec un peu de recul, je vous conseille aussi l'atout sosie que j'utilise maintenant tout le temps, qui transforme en fait automatiquement un citoyen du groupe dans lequel vous vous cachez en votre skin, si vous voulez. Donc ça, combiné à la capacité leurre, ça fait vraiment des ravages. Donc là, on a réussi à prendre la position, puis à éliminer les adversaires qui s'y trouvaient avec mon allié. On va rapidement se diriger vers un autre point, puisqu'on va nous informer qu'il est attaqué. Vous allez voir qu'il faut faire attention à une chose lorsque vous courez derrière un de vos alliés, c'est que lorsqu'il passe une porte, celle-ci se ferme et vous risquez d'être bloqué pendant à peu près 5 secondes. Donc là, j'avais anticipé la chose, je vais passer directement par l'autre porte, même si je perds une seconde peut-être sur le trajet, au final j'y gagne. Donc on arrive trop tard sur le point et il a été saisi par l'adversaire, j'analyse un peu la situation, mon allié grimpe sur le toit, l'ennemi va le suivre, je l'ai verrouillé, donc je vais en profiter pour m'installer tranquillement dans un groupe. Je vais me servir de ma capacité déguisement, balancer mon leurre, humilier l'adversaire qui n'est pas leurré, puis le second. Étant donné que lorsqu'un adversaire tue un citoyen, il ne peut pas interagir avec vous pendant à peu près 2 secondes. Je vais me servir des couteaux de lancer pour les maintenir à distance, gagner un temps précieux. J'ai capturé la position, je peux donc éliminer ce dernier. L'autre adversaire étant éliminé par un de mes coéquipiers. Donc là, on a réussi à se saisir du troisième point. On se retrouve donc en position de domination et on bénéficie des bonus de domination. Les 5 secondes, donc là je vais foncer au milieu de la carte pour me retrouver à peu près à égale distance de chaque point en attendant d'être averti que les ennemis nous prennent un point. C'est chose faite, ils sont en train de prendre B, je me dirige immédiatement sur place. Vous pouvez voir également en bas à gauche que je n'ai pas récupéré mes capacités de déguisement et de leurre, il reste à peu près une dizaine de secondes. Là j'ai repéré mon ennemi pour l'humilier, malheureusement j'ai dû retoucher à la touche verrouillage. Ce qui fait que j'ai éliminé la mauvaise personne, un citoyen, donc je me fais humilier directement derrière. L'ennemi a pris la position, heureusement un de mes alliés était dans le coin et il s'est précipité dessus. Ça me permet d'avoir un temps de répit, lui envoyer un leurre, il mord à l'hameçon, je peux donc l'humilier. Je suis à peu près à mi-capture, je vais donc me servir, m'éloigner un peu de lui, me servir d'un obstacle dans le décor. Voilà, il me court dessus, je l'esquive, je lui balance des couteaux de lancer pour gagner du temps. Il tue, malheureusement pour lui, un citoyen et je me débarrasse de lui. La partie va donc pouvoir se finir là-dessus. En conclusion, si comme moi vous êtes un petit peu blasé de vous faire démolir la gueule en jouant l'objectif à fond sur Black Ops 2 en domination, je vous conseille de vous procurer Assassin's Creed 3. Moi, franchement, je passe des super bons moments dessus. Je renoue vraiment avec le plaisir, donc... Voilà, n'hésitez pas. À part ça, j'abandonne pas Black Ops, donc je vous sortirai une petite vidéo prochainement. Si vous avez apprécié celle-ci et que vous en souhaitez d'autres sur Assassin's Creed, n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner. Ciao, bye bye.